Eh bien, bonjour et bienvenue sur The Bigfoot. Donc aujourd'hui, on va faire une map que j'ai pas encore faite là récemment, donc il me manquait celle-ci. Donc Redwood. J'ai envie vraiment de privilégier la recherche des personnes disparues au détriment de tuer le Bigfoot. On a compris que bon, au bout d'un moment, des fois, quand il est dans l'eau, vous avez vu, s'appelle, j'ai appelé ça Keblo le Ouistiti. Quand je mets ça, c'est que ben il va être bloqué, il va être Keblo et du coup je vais pouvoir le tuer. Voilà, tant qu'il n'est pas Keblo, je mets pas Keblo sur la vidéo. Voilà. S'il y a marqué Keblo, c'est que effectivement il va y avoir un truc comme ça et je vais gagner. Mais après c'est comme ça. Je peux très bien être bloqué moi aussi dans l'eau et ça m'est déjà arrivé, oui d'ailleurs, et de me faire tuer quoi. Donc là on va mettre Redwood. Voilà. On est en mode comme ça. Je vais faire créer. Je vais prendre la fille, hein, bien sûr, parce qu'elle est trop bien. Là, je mets 1 comme d'hab. Et là, je vais choisir. C'est celle-ci. 10 vitesses. 10... Ouais, c'est ça. Je prends celle-ci, c'est Jessica. Et on est parti. Hop. Donc là. Je vais prendre effectivement les pièges, tout ça. Je vais mettre déjà d'entrée un piège avec de la viande là où je suis. Au moins, je pourrais foutre le camp. Ça va l'occuper un peu. Mais le but, ça va être vraiment de découvrir. Il doit y avoir deux personnes, je pense. À moins que j'ai peut-être trois là. Mais en tout cas, je pense que c'est deux sur cette map. Et voilà. Donc, du coup, on va faire comme ça. Voilà. Je vais me déplacer là, par contre. Je vais pas rester sur place. Je vais me déplacer. Même si des fois, je dis, je fais un truc, je le fais pas. Là, on va vraiment fouiller pour trouver les gens. Donc là, je prends quand même les choses. Hein, voilà, ça change rien. Bon, il y a un temps, on peut pas partir. On arrive, c'est la nuit, donc du coup, je suis obligé de faire comme ça. Il arrive à mettre l'ambiance ce jeu, hein, quand même. Hein. Là, je sors de Chouchou Charles. Là, c'est pas mauvais, mais ça n'arrive pas à la cheville de Bigfoot. Ni d'alien d'ailleurs. Mais bon, c'est pas déplaisant non plus. Pour l'instant, je mets ça là. Je mets pas encore de viande. Je mettrai de la viande lorsque l'on partira d'ici. Je vais pas partir là de jour. Hein. Je vais pas partir de nuit. Je veux dire, je vais partir le jour, quand même, minimum. On va découvrir qui je dois trouver. Oh purée, j'en ai 4 à trouver. Oh là là, ça va être chaud. John Coleman, Peter Miles, Monica Chambers et Ruby Bray. 4 personnes, ça fait beaucoup. On va essayer, mais bon.
vous reprends dans 2 secondes. Hop, ok. Ah là là, donc bah on va faire comme ça. La map, elle est comment ici? C'est un petit moment que j'ai pas joué. D'accord, ok. Bon, on va se diriger vers l'eau. Je pense que s'il y a des choses ou quoi, c'est peut-être là-bas. J'aimerais vraiment trouver les caches du Bigfoot parce qu'à l'intérieur, je peux trouver des indices, je peux trouver des trucs. En fait, là, j'aimerais trouver les caches d'armes. En priorité, j'aimerais trouver les personnages, déjà. Donc les quatre personnes là. En deuxième, j'aimerais trouver l'arme un peu plus forte pour le battre. En troisième, prendre des indices aussi avec les photos. J'ai ma souris qui accroche le clavier, c'est très pénible. Voilà. Donc il va falloir que je parte du côté ici. Oui, du côté là. Qui est donc le sud. Avant de partir, je mettrai la viande ici. J'attends qu'il fasse jour pour partir parce que c'est quand même plus plaisant en journée que la nuit. Et voilà, une fois que ça sera fait, après on sera parti. Je vais essayer de fouiller au maximum, d'aller fouiller. Pas forcément d'aller prendre des trucs dans les maisons, tout ça, mais de fouiller les environs, tout simplement. Dans le jeu, il va y avoir un avion qui va passer. Je sais pas si, je ne sais toujours pas. Est-ce qu'il largue quelque chose? Est-ce que c'est juste comme ça? Je sais pas du tout. Est-ce que ça fait partie d'un élément du gameplay ou pas? Oh, ça a l'air d'être calme en tout cas.
Et je n'avais pas remarqué. Il n'y a pas la barre de progression du Bigfoot en haut. La barre de vie, elle n'y est pas. Parce qu'on l'a pas encore vue. Bon, il fait jour ou bien là, parce que. Dès qu'il commence à faire jour, on part. Hein. Je mets la viande et on s'en va. C'est bon. On va mettre la viande. Voilà. Et là, on s'en va. J'avais dit que j'allais vers le sud. On va vers le sud. On va se mettre ceci. Bon, j'entends qu'il y a des loups. Je regarde s'il n'y a pas de piège surtout. Non, je regarde en l'air, mais non, parce que c'est vrai que souvent, je me suis fait avoir, bêtement. Mais c'est marrant, c'est le jeu. Il y a vraiment des choses aléatoires dans le jeu. Enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout, c'est pas au même endroit à chaque fois, quoi. Et ce qui, hélas, n'est pas le cas dans Chouchou Charles. Je m'aperçois en très peu de temps, en très peu de gameplay, qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Après j'ai pris parce que bon voilà il était pas cher et puis ça me change un peu de jeu mais bon je pense pas être trop surpris par ce jeu-là. On va éteindre parce que je suis passé voilà au moins. Il y a une zipline, ok. Il y a des... Quand tu regardes un peu la map, il y a des trucs. En fait, je vais me servir de ces squelettes pour me faire des points de repère, je pense. Parce que ça me sert à rien quand on est tout seul. Il y a un camp en bas. On va aller voir. Il est chez moi, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Hein? C'est pas pour rien! Quelle barre! Hein. Oh putain, c'est arrivé en même temps là! Oh sérieux! Allez, vas-y, prends la viande, cette fois je la prends. Vite, vite, parce qu'il faut pas trop rester là. Merci.
batterie, ouais, c'est toujours bon à prendre. Ah, il aime bien mon... Il est à mon endroit, là. Il aime bien... Ah, il s'est fait mal, il s'est fait mal. Il y a le truc rouge, il a pris la viande, là. Ouais. Ça va l'énerver un peu, mais bon. Ouais, tu vois, il s'est bien moché, hein, regarde. Imagine si tu en mets... Si tu en mets 4, là, il lui fait la moitié, presque. Ah, il y a un code. 5713, ok. On va pas rester là, on va foutre le camp. Allez, go, 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 go. Qui va venir ici. Hein. Il a entendu le haut. Oh, il y a une planque là. Oh putain, je suis content. Yes. Ça, c'est cool. Ah, c'est pas une planque en fait, mais c'est pas mal. C'est un espèce d'endroit où on ressort ailleurs en fait. Mais c'est magnifique. Hein. C'est la première fois de tout le jeu que depuis que j'ai le jeu, je trouve ça. Oh, mais il y a des trucs en bas et tout. Oh putain, comment on fait? Il y a des trucs là. Prendre une petite sécurité, on sait jamais. Putain, c'est magnifique. J'espère qu'il n'y a pas d'ours parce que. Putain, c'est roux les trucs. Comment j'y vais? Ouh là 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 là. On est bien dans une planque au Bigfoot. Hein. Oh, c'est magnifique. Il y a peut-être un truc là-bas, il faut que j'aille voir. Il n'y a pas de photo à prendre là, c'est bizarre. C'est un ancien. Ouais, c'est un ancien camp ici. Oh la vache. Ok, bon, je pensais qu'il y avait des trucs à photographier, mais non. Putain, s'il arrive là, je suis mal. Je le dis. On va essayer de voir si je peux aller dans l'eau. Ça pose pas de problème. Ok. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de... Ah, il y a des trucs là. Il y a autre chose derrière là, non? Il y a un truc en haut là. Ouais, il y a quelque chose ici. Je sais pas comment on y va, mais il y a quelque chose. Ou une araignée aussi. C'est quoi ça?
Oh la vache. C'est que presque je mettrais une caméra ici pour voir un peu, mais bon. Oh putain! Il est là, il est là! Il est là, il est là. Deux. Il m'a vu, hein. On va le buter. Viens, reviens. Oh putain, il est reparti. Il est parti, il est parti. Donc, il passe par là, tu vois. Eh, mais non, je fais quoi, moi? Et il se soigne, mais en haut, là, il a remonté sa vie. Attention. Non, 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 prends. Pas de la viande. J'ai de la chance d'avoir eu le truc, mais il peut revenir, hein. C'est pas, j'hésite. Soit je passe. Il n'y a pas d'autre sortie de toute façon. Non, il n'y a pas d'autre sortie. Quel truc. Ok. Donc là, je sais pas maintenant si je sors par là. Lui, il est là. Alors. Il est allé à gauche. Ah oui, on est dehors là. Oui, il m'attend. Ouille. Je vais me le prendre dans la gueule, hein. Tu vas voir que. Et tu vois, je m'en doutais. Hein. Voilà, j'attends parce que sinon. C'est la folie. Là. Cours Forest. Il va me. Je sais pas, s'il me niaque, je l'attends, je peux encore tirer. Go, 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 cours, cours, cours. Oh putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était ses yeux. Oh la vache. Oh, j'aime pas ça, putain! Vite, 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 charge, charge, charge! Oh putain, deux fois, je le rate! Quel con! Saute! Je peux pas. Oh putain! Vite. J'ai raté deux fois. Hein. Deux fois. Je vais me le prendre dans la gueule. Je le sais. C'est ça le. J'ai gaspillé deux. C'est énorme. J'ai gaspillé deux trucs en bord de map en plus. Oh putain, c'est ma fête. Ouais, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol. Là, il m'en veut. Je suis allé chez lui. Je peux comprendre, monsieur. Est-ce que. Ouais, on peut en mettre un ici. Au cas où. Ils vont encore m'embêter la vie, je pense. On va en mettre un ici. Tiens, on va l'occuper. On va mettre de la viande. Voilà. Et nous, on va se barrer. Oh putain, la lumière, c'est trop bien fait, quoi. Là, si je me tape un piège, tant pis. Je me casse d'ici. Il va se le manger, de toute façon, il va avoir faim, il va se le manger. Le problème, c'est qu'il va se récupérer de la vie aussi, peut-être.
C'est mortel, ce jeu est mortel. Ah, il y a une lumière là-bas. Je sais pas où je vais là, hein. Je suis un peu en panique. Il y a un squelette dans le coin. Je sais pas où, mais il y a un squelette. On va se mettre là-dedans, là, tiens. J'ai plus de soins. J'ai vraiment fait le con avec les pistolets d'armes. Dommage. Il y a quelqu'un là-bas au fond. Oh putain, ça doit être lui. Il y a quelqu'un au fond là, tout droit, il y a quelqu'un au fond. Il est encore bloqué dans l'eau. Je le vois d'ici. Alors attends, on va y aller. Allez, il est où le machin là? Prends-le. Il est bloqué le mec. Hein. Il est où le machin là? Ah, il est là. Il est bloqué. Regarde, il est au fond là. Il est en train d'arriver, il est en train d'arriver. Il était bloqué, il s'est débloqué. Il vient vers moi. Dépêche-toi. Il vient ici. Il va se le manger. S'il vient droit, sûrement il va se le manger. Je pouvais le. Il était bloqué, hein. Parce que j'ai avancé, c'est pour ça il s'est débloqué. Mais sinon. Putain, c'est bien là. On se casse. Oh putain, attends. Il s'est fait mal. Il s'est pris le. Il s'est pris le truc. C'est bon, ok, vas-y. Allez, vite. Qu'il est énervé là. Oh. Putain, je me rappelais plus des trucs comme ça, c'est marrant ça. Oh, je me rappelle même plus du code du truc. Je me rappelle plus. Le code que j'ai vu sur tout à l'heure sur le papier, je me rappelle même pas. C'est joli là, hein, j'aime bien. Alors, je peux sauter ici, mais je vais me casser les pieds si je fais ça. Oh putain, par contre là, comme ça serait top d'aller là. Ouais, non, elle se détruit pas cette maison-ci. Ou pas? Non, je crois pas. Hein. Non, il n'y a pas les trucs jaunes là. Est-ce que tu crois que je pourrais éventuellement magouiller? Bon, il ne peut rentrer que par. Enfin, quoi que lui, il s'en fout en fait. Hein. Il peut sauter. Bon allez, j'avais dit que de toute façon je me barrais. Il est par là-bas. Donc on va par là. Là je peux pas sauter, mais faire comme ça. Ah c'est bon là, ça va. On va plutôt l'éviter. Bon j'ai trouvé personne hein, finalement. Non, j'ai trouvé les ennuis, ça oui. Mais là, je peux pas. Je peux pas me permettre de ressauter dans le vide. C'est pas mal ça. Il y a l'avion, non?
Regarde, c'est l'avion. Qu'est-ce que je fais quoi avec ça, moi? Tu vois, il y a l'avion qui vient de passer là. Et il venait de là-bas. Oh putain, il y a un ours. Oh, peut-être, je sais pas. Il me fera rien, je pense pas. Non, donc il m'a pas vu. On va prendre ça là. Pourquoi j'entends aboyer? C'est ça, je comprends pas. C'est pas la première fois. Alors, est-ce que c'est les loups que j'entends? Tiens, il a un endroit proche de là. Alors, c'est peut-être la cave que j'ai vue. Mais ça là, quand il y a ça, c'est qu'il a son camp proche l'autre là. Il y a quoi là-bas? Il y a un truc là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Je sais pas si. Non, c'est pas lui parce qu'il court lui normalement. Il y a un truc là. Ou c'est un loup, c'est quoi? J'ai vu un truc. Je sais pas. Et là, il y a un chien là. C'est bien ce que j'entends. Oh, tiens, je connaissais pas ça. Oh putain, arrêtez avec ça. J'ai entendu aboyer par là, moi. Est-ce que tu crois que c'est le loup? Ou est-ce que c'est un petit, je sais pas, un petit animal? Je vais me faire mal, moi, tu vas voir. C'est beau, hein, franchement. Non, il n'y a pas de piège, je crois pas. Toi, il pourrait y avoir un camp à lui. Hein. C'est l'endroit rêvé ici. Hein. Oh. Ça, c'est cool, ça. Ouais, regarde ça, lui. C'est pas cool, là? Franchement. Bah, il me trouve. Hein. Mais c'est pas mal. Il y a un passe en fait, hein, quand même, hein, derrière. Ouais, je peux pas la franchir, rien du tout. Peut-être là, même pas ici en fait. Là, il me voit, hein. S'il est dans le coin avec la torche là, c'est râpé. Hein. Je vais prendre le couteau parce que j'ai plus de chances de me battre au couteau. Oh putain! Bah c'est bon, c'est mort. À moins qu'il m'ait pas vu. Ah, il m'a peut-être pas vu.
Si, si, m'a vu, m'a vu, m'a vu. Foiré, là. Bon, j'essaie de le blesser quand même. Mais je vais prendre plein la gueule, là. Ah, il est. Là, il donne, hein. Il est généreux aujourd'hui. C'est. Il est super généreux. Merci, Bobby. Là, encore une fois, je crève, en fait. Voilà, ça va être. C'est la fin. Je fais ce que je peux, mais. Ouais, il est un peu énervé, là, je comprends. Oh putain, ils viennent passer là. Ils viennent passer à droite. Donc. Là, je me suis abaissé là. Je suis abaissé. À faire des bruits. On va essayer de se foutre le camp à gauche. Ah, je peux peut-être prendre des trucs. Rien là. Oh, il y a des arcs et tout, hein, dommage. On a combien? 38 minutes. Purée, j'ai rien réussi de ce que je voulais. Oh, il y a une maison. Bah écoute, c'est quoi, je vais la prendre. Ouais, ça me va très bien. Non, arrête, ne mets pas la musique, t'es nul à ce quoi, toi. T'as tout compris, toi. Ouais, déjà ça. Oh, je vais me recevoir la sonnerie, je suis sûr. S'il y a le code, je me rappelle plus. Donc, s'il y a un coffre, tant pis. Tant pis pour moi, je n'ai pas pris le code. Ah, 9101. Ok, j'ai de la chance. Avec un peu de chance, je tombe sur le sniper. Ça va changer ma vie, ça. Génial. Ok. Oh, j'ai du loot là-haut. Superbe. Magnifique. Du coup, on va peut-être même la tirer ici. Ouais, attends. Oh putain, il est là. Et moi, je vais me prendre le truc, tu paries. Il est parti.
J'ai eu de la chance d'avoir le flingue. Il m'aurait tué là. Là, il m'aurait tué. N'ayez pas peur si le téléphone sonne, hein. C'est classique, hein. Ça va vous faire sursauter. Je crois qu'il est pas content. Oh, j'ai enlevé un peu de vie, mais enfin voilà, franchement, il y en a encore quoi. Pas mal ça. Heureusement, hein. Heureusement, hein. Deux fois. Avoir autant de chance tout le temps. Hein. Oh putain, c'est pour moi ça. Me reste deux, il me reste deux munitions et c'est tout. On va mettre ça ici. Ça m'a sauvé, la caméra elle m'a sauvé quoi. Il y en a une ici, une là. Ouais. C'est laquelle? C'est les deux. Donc il est juste en dessous de moi là. Il est là. Il va venir, va venir, va venir. Viens, 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 viens. Fais tirer dessus, mec, hein. Oh putain, je lui ai mis sa salle. Je lui ai mis la raclée là. Je lui ai mis sa raclée. C'est bon. Allez, maintenant on se casse. Bon, par contre, je vais plus faire le malin longtemps parce que il me reste combien? M'en reste plus. Voilà, donc là, à partir de là, il faut que je récupère mes billes là parce qu'on va foutre le camp. La caméra. Ah oui, tu m'étonnes, il est pas content, bien sûr qu'il est énervé. On va se casser là, on va prendre ça et on se casse. Allez, vite. On est parti, on est parti, on est parti. Déjà, j'ai encore de la chance. Oh putain, oh, j'ai de la chance là. Hein. Parce que même s'il vient là, j'ai la zipline. Donc du coup, je peux me barrer. J'ai des cartouches. Je connais pas. Attends, tu sais, j'ai déjà fait cette carte, hein, mais je me rappelle plus du tout de ça là. Non, non. Je sais pas. On dirait qu'il y a des trucs qui ont été ajoutés ou quoi. Je sais pas. Je suis en pleine forme. Ok. J'ai ça, le pistolet. En pistolet. Ok. Là, ici, c'est bon. Ok. Bon, je peux déjà lui en mettre dans sa gueule. On va mettre. Est-ce que j'en mets? Ouais, j'en ai 5 des caméras. Je peux. J'en mets une là. Voilà. Bon là j'ai pas de... Non j'ai rien d'autre. Hein. J'ai un drone, c'est tout ce que j'ai. Là j'ai des totems. Encore un avion? Regarde la bave. Je sais pas du tout comment... Tu vois, c'est là où il casse les trucs là. C'est ici.
cas, c'est cool parce que je peux revenir ici. Bah, dis donc, j'en trouve hein. 3. Bah, si ça m'apporte quelque chose, mais. S'il est là, je suis mal. Hein. Une voiture là-bas, on va y aller. On est là pour ça, hein, j'avais dit. Hein. Je privilégie les. Privilégie les. La fouille. Donc on va voir si. Je peux prendre une photo. Quoi, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Faire gaffe au piège. Encore, cinéma. Oh putain. Ouais, privilégier la. Je sais même pas comment on sort de là. Purée, va. C'est bon. Allez, go. Vite, vite. Non, 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 non. Vite, vite, cours. Attends, parce que s'il fout l'anecdote, c'est petit. En plus, on le voyait, hein. Pas de photo à prendre là. Ah si, il y a une photo. Il y a une photo, il y a une photo. Mais de l'autre côté, il faut sortir. Dépêche-toi, mec. Ça, c'est une trace. Ok. Quand même fermé, même si ça sert à rien. On peut ressortir par le... Oh. Sortir par la fenêtre, je pense. Je suis pas certain, mais si on fait ça, tu vois. Oh putain, je me suis fait mal. Oh le con. Ah c'est cool. Mais c'est cool. On peut le faire. Help. Ouais. Oui, help. Ah je peux pas là. Ça m'aurait bien arrangé. Encore? Oui, ça fait 5. Attends, il y a eu un piège tout à l'heure avec ça. J'en ai trop là. Peut-être un piège dans le coin, parce que franchement, là, ça fait un peu beaucoup. Oh putain, tu vois? C'est un malin. J'ai compris. J'ai compris un truc. Et vas-y, j'ai compris un truc. Ouais. Il tapote avec les trucs là, et en fait... C'est la misère après. D'accord, je fais gaffe maintenant. Cela dit, il a dû en placer d'autres aussi sur le chemin. Tu vois, voilà. C'est bien, j'ai plus de jambes. Voilà, à ce niveau-là, c'est de la compote. Ah oui, bien sûr, il a entendu. Bah oui, bien sûr. Ah non, lui aussi, il s'est fait mal. Se soigner un peu. Non, je peux pas, j'ai rien. Okay. Est-ce que j'ai un truc sur moi? Non plus. On va en prendre une, on va la mettre là. Je vais enlever de la vie là, mais pas assez. Là, on va une zipline un peu plus haute, c'est bien, ça me convient. Superbe. Ça m'arrange.
Je vais aller sous Windows. Allez, soyons fous. Parfait. On peut rien faire avec ça. Non. Oh, une tête de... Tiens. Ah, alors ça, c'est nouveau. Bah tiens, tu sais quoi, on va en planter une. Allez. Pas pourquoi. Je peux pas. Ah, je peux pas. Voilà, j'ai fait. J'en ai planté une. C'est jamais. C'est bien? Pas bien? Ah, j'en ai mis deux. Toc. Toc. Je sais pas, je vois qu'il y a des trucs là. Y a peut-être des mystères aussi, hein. Je sais pas. Attends, on peut aller là? Ça m'intéresse. Oh, cool. Alors, tu sais quoi? On va mettre. Voilà. Ouais. Tu sais quoi? J'ai trop bien fait. Ah! Je vais t'expliquer la live. T'en as pas assez d'avoir mal? Putain! Oh putain! Oh putain, j'ai ma raclée. Cette fois-ci, il va me calmer. Il va me calmer. Moi, je m'en fous, hein. Je t'en prends dans ta gueule. Tiens! C'est pour la route. Il a cassé un truc en partant. Il est de mauvais poil, hein. Ah, il a cassé la barrière, dit. Hey, si, il a pas aimé. Il est un petit peu susceptible, hein. Oh non, putain, non. Susceptible et ouais, et calculateur. C'est bien, c'est bien. J'ai plus de jambes. Voilà, à ce niveau-là, j'en ai plus. Marmelade. Ah ben, c'est bon, c'est la fin. Et ben voilà. Et je n'ai pas. Alors, le truc, c'est que je peux pas me soigner avec ce que j'ai sur moi, en fait. C'est ça le truc. Et je suis mort. Mais j'ai adoré cette partie. J'ai vraiment. J'ai kiffé cette partie. Ça s'est pas du tout passé comme oh, non, il va me manger. Non, ça, je regarde pas. C'est... Allez, je vous dis à bientôt. Merci. C'était Redwood. Et à bientôt. Ciao.